Je m'appelle Baptiste Oriez, je suis infirmier en pratique avancée, mention psychiatrie santé mentale, à la clinique des boucles de la Moselle. La première mission, c'est une mission clinique, c'est-à-dire d'évaluation des patients avec des entretiens cliniques, avec éventuellement la possibilité d'adapter des traitements, d'accompagner vers une modification thérapeutique, des choses de cet ordre-là. Engager une réflexion avec les psychiatres, avec les équipes sur comment on peut créer des chemins cliniques, comment on peut créer en fait des projets individualisés pour ces patients-là, comment on va penser notre accompagnement. Tout ça me semble assez essentiel. Ensuite, il y a une grosse partie de mon travail qui va être la question de la formation des professionnels. Il y a un certain nombre de professionnels qui ont peu d'expérience ou pas d'expérience en psychiatrie. Et donc, c'est aussi comment on transmet les spécificités de cette discipline. Que ce soit à travers l'entretien clinique, que ce soit la connaissance de la psychopathologie, il y a beaucoup d'éléments à évoquer. Ce que j'aime le plus dans mon métier d'infirmier, c'est de travailler avec les patients, d'être au plus près des patients, de voir que... on peut les aider, on peut les accompagner, on peut réduire leur souffrance, de participer de ce challenge-là et de voir, d'avoir un patient qui sort d'hospitalisation et qui vous dit ça m'a été utile, je porte aujourd'hui un regard différent sur mes angoisses, sur moi ou sur mon avenir. C'est ce qui est le plus intéressant et c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Il y a ce qu'apporte l'IPA et encore une fois, il y a ce que j'apporte peut-être moi en tant qu'IPA. Par exemple, je suis formé à la prise en charge du psychotrauma. Donc, ces choses-là, elles ne sont pas forcément... tous les IPA n'ont pas ces formations-là complémentaires. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, c'est aussi une plus-value que je peux mettre à disposition des patients. Après, ce que ça leur apporte, c'est aussi une ouverture dans le champ des sciences infirmières. Thank you.